Bonjour, bonjour les amis. On est vendredi aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien réveillés. J'espère que vous avez pu vous reposer un peu, les amis. Les amis! Il sait qu'il y a des gens là, mais le découragement va les tuer. Ivoirien aime parler. Maintenant, quand il y a un problème là, maintenant on fait comme s'il y a... on a mal à la tête. On ne peut plus parler. On cherche paracétamol. Ah, la situation est grave. Mais ce n'est pas si grave que ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu au contrôle. Non seulement Dieu au contrôle, mais une chose est sûre, c'est que les Ivoiriens, en majorité, hein, parce qu'on ne peut pas dire tout le monde, les Ivoiriens dans sa majorité, voilà, ne veulent plus de l'ancien régime. C'est ça. Mais on est là, on dit, ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens, ils n'ont qu'à faire, ils vont faire vite le gouvernement. Les gens, ils n'ont qu'à faire, ils vont lancer mot d'ordre. Les gens, ils n'ont qu'à faire. Les amis, ils ont arraché leur téléphone. Vous voulez qu'ils fassent comment, oh, les amis? Tant qu'ils ne voient rien même là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, quelqu'un n'a pas besoin de ce qu'ils devaient faire. Ce qu'ils devaient faire, ils ont créé le Conseil national de transition, je comprends. Mais les amis, le jour même où le président Bédié devait donner la liste, hein? Des membres du gouvernement là. C'est pas ça, ils sont venus le séquestrer dans sa maison. C'est pas ça, ils sont venus arrêter les gens. C'est dans ça, lui-même à 86 ans là. Il est dans sa maison, mais il ne peut pas sortir. Hein? Parce qu'il est en résidence surveillée. Maintenant, vous voulez qu'il n'a qu'à lancer qu'un mot d'ordre encore. Hein? On dit non, Mamadou Koulibaly n'a qu'à lancer, professeur Mamadou Koulibaly n'a qu'à lancer mot d'ordre, quelqu'un d'autre n'a qu'à lancer mot d'ordre. Les amis, vous ne voyez pas que l'ennemi est en train de nous regarder. Vous ne voyez pas. Tous les groupes là sont publics. On dit groupe même privé, même, il y a les infiltrés dedans. Hein? Tout là, c'est-à-dire que chacun doit utiliser sa tête pour réfléchir. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quand tu veux avoir un boulot là, même quand tu n'as même pas le diplôme, tu te débrouilles pour aller, mais si c'est pour aller même au Ghana, quelque part là-bas, pour aller faire le cours vite, 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 accélérer là. Tu fais pour avoir le diplôme, non? Ou bien? Donc, je lui ai dit que quand on veut faire quelque chose là, on sait ce qu'on doit faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire que, ah, faut faire tant, 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 faut faire tant, tant, tant. Quand tu vois une entreprise où tu es rentré dedans là, te débrouiller là-bas pour aller chercher dans LinkedIn de la personne qui est tentée de prendre les gens pour voir si vous n'avez pas d'amis en commun. Hein? Donc je te dis, si tu te débrouilles et puis tu trouves. Donc si toutes les stratégies sont dévoilées sur Facebook ou bien YouTube, bien quoi. Mais les amis, les ennemis sont là. Donc franchement, moi, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais chacun doit utiliser sa tête. Donc pour ceux qui croient qu'ils vont entendre mot d'ordre là, ah, en tout cas, vous n'allez pas entendre un mot d'ordre officiel pour dire telle heure, tel endroit. Pendant que vous savez que quand chaque fois quand c'est fait là, les gens nous attendent avant. C'est dans ça que les Maliens nous soutiennent. Ouais, les Maliens nous soutiennent. Ils savent qu'on a besoin d'eux. Parce qu'eux, ils ont été courageux. Oui, ce n'est pas un seul jour. Ils se sont levés pour libérer leur pays. Ils ont fait plusieurs semaines. Donc, écoutez la vidéo. Voilà. D'un des grands représentants, voilà, du Mali. Ce grand opposant-là. De l'ancien chef de l'État, Ibeka. Voilà. Écoutez-le. Il a un message pour nous. Voilà. En français et puis dans sa langue. Écoutez-le. Au peuple africain du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina, qu'il est temps que la CEDEAO des peuples prenne vie et corps et que nous nous concertons contre la mauvaise gouvernance et les pratiques de cette gouvernance telles que nos chefs d'État actuels nous les imposent. La CEDEAO de 2012 n'est pas la CEDEAO de maintenant parce que Alassane Ouattara n'était pas à la recherche d'un troisième mandat. Parce que Alpha Condé n'était pas à la recherche d'un troisième mandat. Que Alassane Ouattara l'entende bien. Nous sommes d'accord avec le peuple ivoirien pour lui dire que ce troisième mandat n'est pas normal. Nous allons le dire, moi je prends position. Nous sommes le peuple de la CEDEAO. Nous ne devons plus avoir peur de prendre des positions comme ça. Et moi je le prends. Au nom du M5, au nom du peuple malien, au nom des peuples de la CEDEAO, ça suffit ces dirigeants-là. Cela est clair. Maintenant, je dis au M5 et à tous les peuples, le Mali va porter plainte contre l'administration de la CEDEAO. Elle est responsable du chaos qui est arrivé. Si elle avait pris ses responsabilités, les militaires ne seraient pas intervenus. Elle n'a pas pris ses responsabilités et nous irons devant la Cour de justice. On ne laissera plus des mauvais dirigeants diriger nos organismes. Nous allons faire cette plainte contre l'administration de la CEDEAO et c'est ce que j'ajoute à tout ça. Merci. Merci beaucoup. Nko.
ambe mun fo sidéo la sariaté frafina kono até sidéo la até oyao la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ata kono ko jamana de on kaka kanyaki ibe ka ti ambi otmo be jonya ngina ube mari on be nyaki o tuka sariya kono o yuka hakili doye mungu lu yere de ko fo mamu nu mena ko sidéo anga tondo anya mana de anga tondo nga ulubu yere de nyini na toin kono ala san watara ale ba ka troisième mandat de nyini fe mu manka ka jamana kono u bi se ka constitution ko ni yere ma ni seria ko ruba ta ka nyesha una na lulu mago sira ka seria fale pour que ka sidu ba ke otma ala san ka jamana de u ka me anda u jobe ala san la u ka ke la Guinée ka u aye am fa konde gain ma fa la do ou nous ka constitution fallait fanga di aye akama anti son ni ma tida o jamana ko no dum don tida o jamana de ngo don bi na ma le nyo fo na ma ni fo anye fra fi jamana o jafa ou lu fra la nyo ka ka manifester anye Bruxelles. Les peuples africains se sont manifestés pour nous soutenir à Bruxelles. Donc nous disons à ces peuples que nous allons créer la CEDEAO des peuples et non de dirigeants corrompus, véreux, malhonnêtes et mal intentionnés. Oui, c'est à applaudir. Vous voyez, le Mali nous soutient. Le Mali nous soutient. Les amis, on doit se mobiliser. Quand il dit on doit se mobiliser là, vous-même, vous savez ce qu'on doit faire. Voilà! Vous savez ce qu'on doit faire. Ce n'est pas quelqu'un qui a venu prendre tous les ingrédients préparés et puis te donner, tu vas manger. Souvent, là, quelqu'un peut emmener la graine. L'autre personne va envoyer à Jovan. L'autre personne va envoyer oignon. L'autre personne va envoyer tomate. L'autre personne va envoyer piment. L'autre personne va envoyer viande de brousse. Voilà. Maintenant, il y aura une cheftaine qui est assise là. Et puis, elle va préparer, frapper la nourriture maintenant pour vous donner. Juste pour dire que si vous n'avez pas emmené les ingrédients là, on va préparer comment? C'est de l'eau, on va mettre dans la casserole pour boire. C'est ça, c'est l'eau chaude en bois. Donc, si vous avez compris mon message, le président Bédié a besoin de vous. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire, oh, les amis. La dernière fois, j'écoutais mon frère Isaac, il disait qu'il y a des gens qui disent qu'ils voulaient venir, mais ils ne savent pas où le président Bédié habite. Maintenant, tout le monde sait où il habite. Je vais rappeler encore, il habite à Cocody. Il a plusieurs résidences. Hein. Sa résidence d'Abidjan, là, à Abidjan, là. Une de ses résidences, là, c'est à Cocody. Derrière, l'université catholique qu'on appelle UKAO. Donc voilà, les amis, c'est pas difficile à trouver. Dans le temps, c'est même pas longtemps, quand on vous a même pas invité dans le mariage, on vous retrouve là-bas en train de manger, vous connaissez même pas l'adresse, mais vous débrouillez, vous trouvez. Donc pourquoi pour ça là, on doit vous demander pardon. Hein? Quelque chose d'aimé, c'est vous qui allez dire, en tout cas au moins on est libre, maintenant on peut parler, Il n'y a pas quelque chose qui est facile sur terre. Il dit même manger, même c'est difficile. Tu as mâché là, mais souvent tes mâchoires là même te font mal. Rien n'est facile. Au risque de me répéter, je vais m'arrêter là. Les amis, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Faut pas fâcher, hein. Il ne peut pas dire nous s'amuser parce que c'est la vérité, il a dit. Donc les amis, à tout à l'heure. Oh les cœurs, on y va. Bye bye.